Situation Ariel Henry dans moment là extrêmement compliqué. Li par contre qui sait pour le prier, li par contre qui sait pour le relayer, situation compliqué. Compatriotes haïtiens frères sœurs mio, garçon vanyan, femme vanyan, moun ki kwè nan bataille pou kraser système nan, moun ki kwè nan bataille pou changer paysan, m'a dit nous continuer kebered pa moli parce que nous nan bataille. Qui sacrive Ariel dans le moment où on a parlé à la, ou pour aller gagner tout détail, tout information, yo, non bon ti marmite, puisque plan Ariel te gagne en tête, bien, c'est pas comme ça bagaille a passé, c'est pas comme ça dossier a fini. Ou pour aller connaître exactement qui sa situation a yé. Nous connaissons déjà pays impérialistes, des pays comme les États-Unis, Canada, la France, pays corrompus, yo. Yon gon plan pour Haïti, yon gon plan pour peuple haïtien. Haïtien ka genou, c'est pas ni hier, c'est pas ni jodi en plan là. Mon bran konnen exactement nan bon ti mamite. Comment plan si la évolué et qui ça ou même en tant qu'haïtien conséquent ou supposé faire pour contrecarrer mettre système ça pour contrecarrer moun sa yo ki kebe Haïti nan condition nan ville journée jodi an parce que si nous pas faire rien pita pral pitris. André Michel si président de son état nan moment n'a parlé à la, eh bien André Michel voye un message pour tout révolutionnaire yo. Message si la li pa ekate Guy Philippe Ladol. Mais ça ici là, li pa ekate aucun haïtien qui décide bataille contre système là. Qui ça André Michel fait figil bien dit pour le voyer dit peuple pour le voyer bay groupe révolutionnaire yo ou pral konnen puisque m'pote détail pour vous. Gagne bonne nouvelle pour canal Wana Metla ou même qui t'attend inauguration canal là ou même qui t'attend qui le canal là pour l'inaugurer comment travail yo a avancé qui le ca descend Wana Metla pour aller faire belle petite photo pour aller faire pour aller caler poster sous canal là et bien Widlin li parler ou pour aller gagner plus détails non yo petit moment dossier assassinat président Jovenel Moïse. Non, dossier si là, assassin a dénoncé assassin, criminel a avili criminel. Depou te participe, non complot, non yon niveau ou bien non yon l'autre, pour touye président Jovenel Moïse, ou met pose plate. Si ordonnance, si non pas sorti nan ordonnance, si la justice pas fait rien contre, la nature a privé sou ou quand même. Eh bien, gen moun ki parle, gien déclaration qui fait, gien allégation qui pote, ou pral konnen exactement qui yes, qui yes, qui yes, qui dit sou qui yes. Rete là, ou pral genye tout détail. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir, jodi an pour m'avec vous. Dans l'émission Paul, mon éditorial avec Yannick, ou sous Chanel Paul, Chanel Information, plateforme Information sans force côté, ou sous TAC 509, tout haïtien connecté. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour me rejoindre nous, pour nous continuer à brasser l'idée, pour nous continuer à porter information pour vous, dans souci pour être informé. Ou même qui pourquoi abonner à Chanel, là, m'a invité ou abonner, activer petit cloche de notification, et comme ça, ou pas rater aucune vidéo. N'a pas gagné pour nous poster. Et déjà, m'a dit ou, et bienvenue, bienvenue, oui. Parce que gen koze pou konnen, gen dossier là pour konnen, nan sa qui concerne pays nou Haïti. Et bien avant nous rentrer, nan maman pe ba information, yo gen yon vidéo m'pote pour ou. Bien extrêmement important pour garder tant de vidéos si là. Haïti c'est premier pays nègre. Premier pays moun noue. Ou konne monde la son monde raciste, le ou du premier pays noir qui prend indépendance. Et indépendance ça nous prend. Nous soute Bouddha. Pi gros pays impérialiste à l'époque. Nous soute Bouddha métropole française. Nous soute Bouddha la France. Qui vini qui te réduit nous en esclavage. Pour yote al prospérer dans le continent européen. Vous comprenez, puis vous avez bien passé, vous fait tout refaire, vous avez mis gros monument campé sous force travail dans cette nuit.
sous force travail grand-parents nous ont été réduits en esclavage. Et là nous ca fait chaîne esclavage ça. Là nous prend indépendance nous pour la France reconnaître indépendance nous ont été fait payer. Et jusqu'à présent, yon pa jan digérer le fait que nous indépendants, le fait que nous sommes peuple qui libre. Pour États-Unis te reconnaître indépendance nous, c'est des décennies après, des années après. Pendant que nous-mêmes nous cassons chaîne esclavage, États-Unis jounen jodi qui érigé tête pi peur de la démocratie, la caille pa yo. Yo te fait carré après du moun en esclavage. Yo te fait carré à faire l'argent sous force moun, sous courage moun, parce que yo te gagné esclavage, la kayo, esclavage pour te aboli. Mais nous-mêmes, nous te campé comme moun fier, nous te campé un bon grain haïtien, nous te campé un bon grain patriote, parce que nous te connu ça, révolution te vle dit, nous te connu pour qui ça nous tape bataille, pour qui ça nous te vle faire révolution. Joune jodi, 220 ans après, idée révolution là, du fait révolution là, limé, bataille révolution a commencé faite. Est-ce que réellement, nous voulons, nous parler pour nous faire révolution dans toute dimension? Est-ce que nous parler pour nous mener bataille révolution contre système, non? Ou bien, c'est des réformes que nous voulons faire, sont y passé, mais nous voulons faire, pendant que tout le système, mettre système, non, nous continuons dans tête l'enraver, nous continuons dans mandé, faire nous grâce, faire nous faveur, nous continuons dans poté bol blé, nous baillo. Qui ça réellement nous voulons? Vidéo, ça m'a fait nous garder là. C'est plan. Plan pays, impérialiste, gagné, pour peuple haïtien gagne pour pays d'Haïti. Le propre exemple, journée jodi an influence États-Unis gagne sous cause politique dans la coup pays d'Haïti. Si nous pas font forcing pour nous dire nous pas quitter pays à sous domination. Quoi groupe sous domination États-Unis ka fait nous ka couler à ma. Et bien ça va regarder là, il fait partie de plan yo. Il fait partie de travail que yo te commencé faire. Et travail que vous continuez à faire dans le moment où vous parlez. Alors, nous suivons avec moi qui ça et dossier. Le plan des États-Unis pour disparaître Haïti. Nul n'est sans savoir que depuis quelque temps, les États-Unis contrôlent entièrement la politique haïtienne. Cela veut dire qu'ils influencent, ou du moins, ils prennent toutes les décisions politiques importantes en Haïti. Ils y sont parvenus grâce à des politiciens apatrides ou antinationaux. Il faut le dire. Ce plan pour faire disparaître Haïti existe il y a longtemps. En 1915, ils ont envahi Haïti sous le prétexte de l'instabilité politique. Mais les conséquences de cette invasion sont multiples et considérables. Ils ont entravé trois fois plus l'économie d'Haïti, qui faisait déjà face à des défis sérieux. Et ils ont bouleversé l'ordre administratif et socio-culturel. Bien qu'en 1934, ils ont mis fin à l'occupation militaire d'Haïti, mais cette occupation politique et économique n'a jamais réellement pris fin. Les Américains ont continué à s'ingérer dans les affaires d'Haïti, sous la couverture des organisations comme l'ONU, l'OEA, etc. Ils organisent des élections truquées pour installer à la tête du pays des politiciens corrompus. Comme ça, ils arrivent à garder la main mise sur le pouvoir. Autrement dit, c'est eux qui dirigent le pays, mais non des représentants élus par le peuple haïtien. C'est ainsi qu'ils exécutent leur agenda de la mort dans ce pays innocent qui n'a fait de mal à personne. Et ils ne cessent d'alimenter des crises sociopolitiques pour se présenter en sauveur d'Haïti. Sauf que les crises se succèdent, mais ne se sont jamais résolues. Enfin, le peuple haïtien est à bout, il n'en peut plus. Les gens émigrent partout, juste dans l'idée d'échapper à l'enfer d'Haïti. Car l'État est absent et toutes les institutions sont faillies. C'est le grand désespoir de ce peuple fier. Le plan macabre des États-Unis a finalement réussi. Depuis environ 5 ans, les Haïtiens vivent une insécurité sans précédent. Chaque jour, des gens fuient leur maison à cause de la violence des gangs armés par les États-Unis. On ne cesse de compter des territoires perdus.
c'est-à-dire des territoires qui sont contrôlés par des gangs. Ces bandits règnent en maîtres et seigneurs dans les zones. Ils rançonnent les gens qui passent et font tout ce qu'ils veulent en toute impunité. Pauvres gens, les forces de l'ordre sont dépassées par les événements. Elles sont défiées sans arrêt par les terroristes. Pendant ce temps-là, les États-Unis promettent l'envoi d'une force étrangère pour rétablir l'ordre et organiser des élections dans le pays. Même si nous savons tous que cette intervention ne viendra pas résoudre le problème que les Américains ont eux-mêmes créé, on se demande de toute façon s'ils viendront seulement quand tous les innocents seront finalement massacrés. On ne fait qu'attendre tout en espérant qu'un jour le vent du changement soufflera sur ce pays assoiffé de la paix, l'union et enfin trouver le chemin de la vérité. Voilà. Voilà. Et on t'invite un petit peu de mots. Qui retrace parcours États-Unis, qui retrace intrusion, interférence, domination, emprise que États-Unis gagne sur Haïti. Et pour arriver à contrôler le pays, je me toujours dit, pour contrôler un pays, il a besoin de conseils, il a besoin de traite. Et en Haïti, c'est ça qui pas manqué. Hein? En Haïti, traite à la nation, ça c'est ça qui pas manqué. C'est ça qui pas manqué. Et non pays sérieux, non pays bon façon, oui, je dis en nous te ka dissuader nèg yo fait trahison. Crime de trahison, bon façon nous te ka dissuader nèg yo fèl. Je dis en moi-même ta remé gè des haïtiens qui commencé à assumer responsabilité au tel quel pour nous commencer faire des plaidoyers. Nous ka fèl nou grand moun. Si c'est peine de mort pour nous rétablir en Haïti. Quand tout traite à la nation, faut que nous exigeons, faut que nous demandions. États-Unis pas qu'à dire nous li interdit pour nous peine de mort là kay nou non. La France pas qu'à dire nous li interdit pour nous ta peine de mort non. Pour nous rétablir peine de mort là kay nou. Si c'est pas qu'à dissuader des criminels ça yo, vagabond adversaire yo. Parce que nous pas qu'à bon pays. Pour tande nèg ça. Li te sénateur, li te député, li te occupé un gros fonction dans l'État, et pourtant de nèg sa pral vin dou. Li fait 15 ans la travail pour États-Unis. Li fait 25 ans la travail pour États-Unis. Li fait 10 ans la travail pour le Canada, la travail pour la France, etc. Mais soit travail pour lui pendant que ou occupé des fonctions politiques. Ou dans des postes de responsabilité, responsabilité ou pas, j'en prends pour pays. Eh bien, pour qui est-ce que prend responsabilité ou? Pour qui est-ce que agit? N'a intérêt qui est-ce que agit? N'a intérêt qui est-ce que travaille? Joune jodi, il faut que nous commençons vraiment à focaliser sur ça qui est important, sur ça qui est nous dans l'autre pays. Rétablir peine de mort dans le pays, moi-même, je rete quoi son bagay qui est indispensable. Pour j'en pays, on prend de mal en pile. Pour j'en pays, on prend de mal. Empilage, situation empire là. Faut que nous rétablis peine de mort. Peut-être les nègres rentrent dans le Parlement, les nègres viennent président ou bien sénateur, pas qu'on est, les nègres viennent et ils font partie d'un gouvernement comme ministre, comme premier ministre, etc. Secrétaire d'État. Yo ap konnen côté travail yo kit sa yo gen comme travail. Yo ap konnen côté travail yo commencé et côté travail yo doit fini. Yo ap konnen yo gen obligation de résultat. Mais si c'est jan mwen a la, nous non démocratie déguisée. Nous non démocratie côté que tout nèg se volé ou vin volé se poche ou vin plein. Au final, qui ça ka prête pour peuple? Qui ça ka prête pour malheureux yo? Qui ça ka prête pour nous? Si c'est ça, si c'est rétabli peine de mort qui cabane un soulagement, un petit souffle nèg yo, faut que nous fait plaidoyer dans nouvelle constitution n'a gagné pour nous flanquer peine de mort là dedans. Au moins laisse ça na contrecarrer plan occident gagné. Na contrecarrer plan États-Unis Canada gagné puisque c'est nèg ça qui fait politique yo utiliser en pile fois. C'est moun dans société civile yo utiliser, mais kou nèg dans la constitution li wè. Yo rétabli peine de mort. Si on prend un crime de trahison, mais ça qui arrive, yo ka pann men, yo ka mete m sou place publique, etc. Yo fon kalma. Yo fon kalma. Donc, je ne jodi, hein, bataille révolution, il y a des séries de paramètres nous ka considéré et m rete kwè qui ka réellement aidé nous, qui ka aidé nous avancer. Et on nous fait un coup de pied dans Wanamet. Nous prenons un coup de pied dans Wanamet, côté que
Gagné de très bonnes nouvelles parce que travail yo a pas avancé sous canal là et yo pral mettre porte, yo pral installer van etc. C'est pas si causé le canal ça a fin fait là. Moi même faut me descendre pour mal faire selfie, comprendre, pour mal faire petit photo pour encadrer comme souvenir. Oh mes amis, nous gon monument. Nous gon monument, nous font bel travail, on travaille un symbole, nous mettez solidarité tête ensemble. Nous bataillons pour nous rétablir la souveraineté pays, nous, là, dans le figuier dominicain. Nous ne pouvons pas quitter le passé inaperçu. Nous ne pouvons pas quitter le passé inaperçu. Et on nous garde avec moi. Et Widlin Pierre, qui lui-même, lui tape quelques petits détails sur question et canal, sur avancement travail. Et ou même qui en Haïti, tant ou même qui dans la diaspora, ou a fixé par rapport avec évolution ou bien continuation et travail et dans Wanament, dans le canal qui a construit sur Rivière Massacre. Pour le moment, on a parlé là, canal là, ça c'est dans la dernière ligne. Nous voulons parler de canal principal. Là. Ce canal, je vais juste répéter le fait qu'on y a bien. Tendez pour après, il n'y a pas dit, nous t'es dit le fini, mais qu'on y a, n'a pas dit, nous avons travaillé pour nous faire toujours. Canal principal là, qui se c'est à finir là, qui prend de l'eau dans la rivière Massacre pour aller porter une rivière trop plein. C'est à partir de rivière trop plein, système irrigation pour vraiment commencer pour distribution de l'eau fait sous chaque parcelle, toute parcelle dans 3000 hectares de terre qui est supposé arroser. Pour le moment, il y a construit Portland, nous sommes en train de vidéo dans ce maintenant. Ou après Portland. Oui, il y a pas les salivagnes, tout ça. Parce que il y a un paysan qui te connaît, nous t'es déjà fini. Parce que nous, ingénieurs qui technique, nous dit nous avons fini en décembre. Il y a même été à le planter ou bien préparer pour le planter, pour ne pas perdre la campagne agricole. Ça a commencé. Il y a une partie qui commence à jouer si de l'eau à partir de trop plein, mais grand partie dans le pays, capitaine de l'eau rivière Massacre. Pour de l'eau à arriver, il faut nous pas qu'à juste. Et on dit que faire des fêtes et vite le passé comme ça, il a déjà conçu pour nous gagner le contrôle de l'eau, comment la pentrer. Et tout, c'est pas un de l'eau, nous avons relevé nos chita, nous tomber pour de l'eau sans rire. Ça nous pas penser à l'usager qui en aval. Et je voulais parler de voisins République Dominicaine, qui en aval, comment nous pouvons faire et partager de l'eau. C'est vrai, nous avons campé en position. En belliqueuse là, en mettre pour qu'on. Vle chita yo poko vle accepter canal la canal la ki deja yon fait pa gen débat sur question canal kon y a pral chita li gen nécessité pour nous chita avec voisins puisque son ressources partagées pour nous définir comment de l'eau pral partager mais de l'eau pour entrer dans canal là c'est déjà pa gen débat pa gen discussion c'est déjà yon acquis et étude k'a parlé qui pour fête yo bon ça bon nous pas connait étude pour qui ça mais gloa li pral entrer dans canal là li pral rive sous tête paysan dans plein maribaou pour yo faire agriculture point bar pas gagner débat sur ça parce que nous n'a bon droit nous son gloa n'a fait usage de li et à toute légitimité ça veut dire nous pas gagner pour demander pardon nous pas gagner pour demander excuse nous pas gagner pour demander autorisation nous pas gagner pour demander faveur et l'heure et nous t'ai prouvé ça parce que si c'était pour nous gagner dans notre pays, nous pas privé là, c'est concours peuple haïtien, tout haïtien, comité canal, bossio, et c'est surtout travail planteur plein de maribaou qui t'est sorti pour venir, venir prendre loi, et on t'est venu prendre loi. Moi, tout le monde y a posé question, est-ce que c'est pas un show, est-ce que c'est pas pour bailler une réponse à la République dominicaine qui fait nous faire ça. Bon, il y a peut-être ça pour quelques monde qui pourront comprendre des machins et me sentir capable dans des machins. Mais pour les gens qui étaient venus chercher de l'eau, c'était une question de survie, c'était une nécessité, on avait besoin de l'eau. Ils ont venu chercher de l'eau et rêve, objectif, à moitié atteint. Moi, je dis à moitié atteint parce que faut que le travail continue, aménagement pleinement. Faut le faire et faut le faire normal. Et c'est ça que je m'a dit. C'est. Oui, nous te fait ensemble, nous fait solidarité, bravo pour nous tous. Faut que nous boumer pour nous toujours dit pas gagner l'état, nous pas besoin de l'état ça pas bon. Si l'état ça pas bon, n'a pas changé. Mais faut que l'état présent dans aménagement plein maribaou parce que agriculture, politique agricole c'est affaire de l'état. Faut que l'état vienne prendre responsabilité. Vous parlez de pelle mécanique que parle. Hier après-midi, moi apprendre. C'est hier ou avant-hier?
vendredi soir, nous apprenons que nous avons une esclavatrice qui s'ouvre. Est-ce que c'est vous? Oui, nous avons une esclavatrice qui nous doit nous quatre là. Que Pasteur Grégory, vous voyez, bon, il n'est pas fini là pour moi, est-ce que son don, est-ce que son prêt, mais il y a une esclavatrice qui est venue pour continuer à faire tout le travail qu'il y a pour faire. Dans plein temps, et me pensais l'autre côté dans la zone avoisinante qui a besoin de tout. Qui a besoin pour canal et malfaiteur, qui a besoin. Donc, on nous avancer. Donc, vous comprenez qui condition celle-là? Non, pas dans le processus, sauf que. Vous ne pouvez pas dire qu'il a fait des marches pour les douanes. Des marches de douanes, c'est le coordonnateur qui a fait lui. Bon, moi, je suis dans le maillon. Interview lundi dernier, quand elle dit qu'il y a une difficulté parce qu'il y a un mandat pile comme pour des douanes. Bon, par contre, on est dans qui point lié, ni qui quantité comme des mandats pour des douanes. Voilà. Voilà. Et nous tendez intervention Widlin Pierre. Mais dans le dossier pour l'esclavatrice, voilà qui est extrêmement important. Faut que Widlin se porte parole au comité canal. Faut qu'il gagne détails. Faut qu'il vraiment fixe. Faut qu'il connaît réellement. Et qui ça le bral dit pays? Parce qu'il y a des gens qui besoin de connaître. Tendez bien, Widlin dit nous, il n'est pas vraiment fixé. Il ne connaît pas si son don, Pasteur Grégory Feyo. Il ne connaît pas si son prêt. Donc, Pasteur Grégory voyon pèl esclavatrice, faut le ka di moun yo, faut le ka di pays, faut le ka di comité a. Est-ce que c'est cadeau le fait comité a cadeau pour continuer travail canal là et pour aider pays en pleine bamari ba ou bien tout côté qui te ka besoin on coup de main pour yo faire canal etc. Ou bien est-ce que c'est prêter le prêter? Parce que là mon problème qu'a parlé de dédouaner pèl esclavatrice. Yo dit que pèl la pa ka dédouaner, li yo mande yo paquet cob etc. Mais gros bagay moun yo dwe comprendre et nous dwe fixer sous ça tout. Pèl esclavatrice elle vini sous nous en particulier. Par exemple, pèl lan li ta vini sous nous Pasteur Moïse. Kounya si Pasteur Moïse al nan douane pour le dédouaner pèl lan. Est-ce que Pasteur Moïse ka di pèl lan vini pour canal lan? Même lan ta di pèl la vini pour canal lan, est-ce que kounye ya douane nan banik di OK pèl la vini pour canal lan, yo pa touche frais? Non, y a touche frais normalement parce que li vini sous nous en particulier, pa gen rien qui pral justifier que pèl lan vini pour canal lan. Alors que si canal là comité canal là yo té tout monte organisation yo enregistré tout bagaille et que kounye appel vini sous nos organisation comme yo matériel agricole qui pral aider pays là qui pral faire travail canal là tout avantage et fiscal yo tout avantage côté que l'on vini avec matériel agricole yo a exoné de série de droits de douane etc. yo t'a bénéficiel. Yo t'a bénéficié de ces différences qui gagnent. Donc, il y a un pile de monde depuis semaine passée qui a dit, oh, yo voye pèl pour canal là, l'État pas vle yon dédouane, etc. Mais faut qu'on ait paramètre tout. Vous comprenez? Faut qu'on ait paramètre pour pas faire effuite en avant, pour pas envoyer monter n'importe qui gens. Sylvie, ni sous nous en particulier. Particulier pour obliger respecter procédure pour le dédouane. Mais si il te vini sous nos organisations paysans, etc., etc., la kounyal ta pour l'autre bagay. Est-ce que nous comprenons? Donc, il faut nous fixer par rapport avec des séries de bagailles qui a dit, mais que c'est prêté, que c'est cadeau, etc. Mais c'est son très bonne initiative que Pasteur Grégory li prend. Et pour aider travail là avancer pour aider les paysans yo. Donc kembe là nous même n'attend pour nous connaître qui joue qui l'heure qui date canal là pour inaugurer pour nous débarquer là pour nous faire photo pour nous enjoy pour nous célébrer victoire ça nous fait. Et sous Dominique qui pas voulait nous faire canal et sous pouvoir criminel là tout qui t'a fait tout ça yo connaît pour camper travail et canal normal fait si dans deuxième canal capé canal Pirède là nous connaît déjà projet qui lancé initiative qui lancé objectif depuis semaine passée m'te partager là avec nous c'est river aider atteindre objectif pour nous porter entre les 1000 sacs ciment by équipe agronome Cosmos qui pral gagner pour travail dans tête et canal yo. Donc pour projet a pour le concrétiser pour objectif là pour l'atteindre c'est ensemble pour nous faire. C'est ensemble pour nous faire, c'est contribution pam contribution pour contribution par un lot pour nous mettre ensemble pour nous arriver acheter 1000 sacs ciment pour nous arriver acheter 3 les ciment pour nous porter aller. Donc toujours dit li
Ou même qui voulait participer, ou même qui voulait contribuer, ou même qui voulait aider, ou qui toujours baïti coup de main, ou qui a relé mes crimes dans le numéro émission 38 96 38 19 pour Dianic. Mais comment m'a contribué? D'ailleurs, avec 100 dollars, ou qui a baïti 10 saximes. Donc, on nous garde qui ça qui a fait. On nous garde comment nous a fait pour nous aider dans le deuxième canal pour avancer plus rapide avec le travail. Dans l'idée pour les paysans, qui continuent à jouer de l'eau, pour user le jardin, pour continuer à jouer de l'eau, pour faire manger dans le pays, parce que ça a tout. Son forme de révolution, c'est révolution agricole. Et l'on a fait révolution, nous devons considérer tout paramètre, nous devons pas quitter rien comme détail et chaper nous. Et on nous continue avec information. Dans le commencement de l'émission, on dit nous que le premier ministre de facto, ZFIS, Ariel Henry, il prend un gros coup de pique. Gen moun la m konnen get a kota yo di ki coup de pique. Ki coup de pique, est-ce que c'est beaucoup de pique yo konnen? Eh bien faut mwen di nou mes amis, bagay la pa bon ba yo pa douce même pour Ariel qui t'a participé nan 46e conférence pays mab CARICOM yo et qui t'a fait nan Georgetown côté que gen premier ministre Antigua Barbuda, Gaston Brown. Et qui campait là, qui mettait Ariel tout tourné, même petit parti Ariel Henry, moun yo wè. Yo mette Ariel Henry tout tourné sous place publique là, côté que. Et pour premier ministre Antigua Barbuda, li fè konnen que premier ministre Ariel Henry, c'est le problème pays d'Haïti. Parce que Ariel pa gen aucune volonté pour le résoudre crise politique qui gen là, il pa gen aucune volonté pour cohabiter avec l'autre acteur yo pour bay pays d'Haïti en souffre. Et côté premier ministre Gaston Brown t'a pral réellement montré que Ariel Henry de mauvaise foi, c'est là li évoqué à plusieurs reprises groupe éminente personnalité ça ne relé gap yo qui fait partie de pays membre CARICOM yo déplacé quitter pays respectif yo vin en Haïti yo vini même 4 fois rencontre al fait Jamaïque côté que yo té attend yo pral gagne entente pral gagne négociation qui joine et bien Ariel sermenté 77 fois dit pas gagne négociation pas gagne dialogue parce que li pas partager exécutif là personne moun. Seulement avec André Michel, avec Acolyte Lio, mais question pour moun qui nan opposition vini avec logique, président, premier ministre, Ariel dit, couper le sa sec. Eh bien, dans l'optique ça, eh bien, pour premier ministre Antigua, et avant-hier, ambassadeur Antigua Barbuda, et lui-même, Ronald Sanders, qui est ambassadeur permanent Antigua, nan Royal, te kapel te dit. C'est États-Unis avec la France qui contribue à mettre Haïti côté lié là. C'est États-Unis avec la France qui doit réparer Zak malhonnête qui a fait sur Haïti. Zak malhonnête qui a fait en Haïti une mauvaise décision qui a pris qui concerne le peuple haïtien. Après ambassadeur a fini parler, eh bien, premier ministre, il a croisé avec Ariel Henry, il met Ariel tout tourné. Qui sont qu'on Ariel fait? Ariel fait une figure bien dure. Premier ministre, oui. Grand monde, grand monde pas faire sport. Le grand monde pas faire sport, son problème. Ariel fait col bien du là. Meli, la marché. Ariel et réunion fin verte, conférence fin bail et puis premier ministre, li aller dans micro la presse, c'est lui même qui a porté parole là aller alors que tu gagné États-Unis et ambassadrice ici dans Nations Unies, Linda Thomas Greenfield qui était là. Et madame Sali même c'est bay déploiement force multinationale la régler papa yo vinn tande qui débat ka fait sur dossier haïtien mais tout yo vinn chercher l'autre moun yo vinn chercher support pour faire partie de déploiement force multinationale. Donc s'il est vrai que nan moment n'a parlé à la et gen on certaine discorde nan mitan pays mab CARICOM yo le n'a parlé de CARICOM n'a parlé de 15 états membres on parle de 14 pays avec indépendance et qui fait partie et de l'organisation ça de structure ça eh bien gagnon bon bras de fer bon laisser frapper c'est pas tout pays membre CARICOM yo qui pas d'accord Ariel qui pas vle Ariel qui mande Ariel pour la guepiel mais gagnon pays ça gagnon représentant pays ça yo qui te fait partie de groupe éminent personnalité yo qui te vini en Haïti eh bien pour tout moun sa yo Ariel de mauvaise foi et mauvaise foi Ariel là li tellement prouvé mauvaise foi Ariel là yo tellement well que journée jodi an c'est peuple qui a pris la rue qui a manifesté qui a mobilisé qui a parlé de craser système de révolution parce que yo pa vle Ariel yo pa kwè nan Ariel encore et sous nos pays
population prend la rue abdou yo pa kwè nan ou et bien pa ganyen ki ka fèt pa ganyen ki supposé fèt encore que la gèp yo et bien responsabilité hein pour pays mab karikom yo c'est pas seulement Ariel qui gagne mais gagne des pays et tant que États-Unis tant que la France tant que représente encore groupe yo yo contribuer largement dans créer un climat d'instabilité dans créer un climat d'insécurité en Haïti. Et dossier assassinat président Jovenel Moïse, comment dossier a avancé? Comment situation si la a évolué? Mais avant de rentrer dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, bon fait nous tendre. M'kon de gen moun ki pral vraiment prendre temps yo prend temps pour corriger Kaye André Michel. La mérite l. Li a mérite l parce que jounen jodi an la, c'est trop à l'aise nous bay nèg sa yo. C'est trop à l'aise nous bay vagabond sa yo qui fait yo penser tout est possible dans la coupe pays d'Haïti. André Michel saute côté sorti, il prend pays en otage. André Michel saute côté sorti, la ouvert col dans pays, nous pas qu'on a quitté qui qualité le gagne pour ça. C'est lui qui a demandé dialogue, c'est lui qui a dou qui comment révolution supposé faite. Qui est ce monde qui t'a supposé faire révolution etc. Est-ce que André Michel gagne droit pour ça? Après André Michel fin passé 4 ans à déstabiliser un pays jusqu'à ce que assassiner un président, est-ce que c'est André Michel qui t'a supposé camper à parler dans figi moun? Dis-moi bien non. Non mais connait. Eh bien mes amis, André Michel a fait appel à tout révolutionnaire yo. Il pas écarté Guy Philippe, non non appel là. Depuis ces moun qui a pris la rue dans moment là faire révolution, eh bien André Michel dou, il voyait dit moun sa yo qui côté yo supposé venir, qui côté yo supposé passer et c'est vinn bot tablan parce que bot tablan gen place pour tout moun. En nous tande et qui ça met Mimi lui-même l'étape. Situation pays a yé là. Pas gen route, pas bois. Pays a pas besoin de se frapper. Nous pas besoin de continuer la bataille entre nous. C'est dans le dialogue, dans le consensus, dans le compromis pour nous jouer une solution politique. Je vous dis, il y a encore position SDP pas changée. C'est dialogue, sécurité, élection. Dialogue là, c'est lui-même qui fait nous signer accord 11 septembre 2021 avec le Premier ministre Ariel Henry. Dialogue là, compromis. C'est lui-même qui fait nous signer encore 21 décembre 2022 avec le Premier ministre Ariel Henry. Et nous inviter l'autre acteur sous table dialogue. Parce que, craser brisé n'a pas mené aucun côté. Laisser frapper n'a pas mené aucun côté. Acteur politique, il faut être intelligent. Il y a des moments, il faut changer de tactique, il faut changer de stratégie. Nelson Mandela. Que vous considérez comme l'apôtre de la réconciliation nationale, comme un homme qui fait réconciliation nationale en Afrique du Sud, un homme de paix, de dialogue, de compromis, de consensus. Mais avant ça, Nelson Mandela était fait la lutte armée dans le pays. Il était gain zam dans la main de bataille. Lors d'un politique, ou son garçon ou son femme, il faut comprendre le contexte politique là et il faut adapter le choix stratégique. Je dis à Krasé Brisé pas mené aucun côté en Haïti, bagay sa ou pas bal résultat. C'est dialogue, c'est sécurité, c'est élection. Et dans dialogue pour nous. Et sur question sécurité, la position SDP claire depuis mois octobre 2022. Pays a chargé avec gang, c'est gang qui prend contrôle. Pays a, nous tous, nous comptons qui est-ce qui mette gang. C'est pas SDP qui mette gang, et c'est pas gouvernement Ariel Henry qui mette gang. Nous avons qu'est-ce qui mette. Nous pas capable de sortir dans sa noyé là sans nos forces internationales. Et c'est ça qui fait, depuis le mois octobre 2022, ça vient pratiquement 17 mois, SDP a bataille sur le plan international, SDP a goumé, dans toute rencontre nous participer, dans toute réunion diplomatique nous participer, nous avons demandé une force internationale. Nous avons besoin de force pour aider la police à mettre l'ordre dans le pays. Nous avons besoin de force pour aider la police à craser les gangs dans le pays. Nous avons besoin de force pour l'école capable d'ouvrir dans tout le pays, dans tout le quartier populaire. Nous avons besoin de force internationale pour tout le business ouvrir les portes.
Nous avons besoin de force internationale pour les gens capables de circuler. Mon dans le sud, mon dans le NIP, mon Jérémy, mon dans le sud-est capable de venir à Port-au-Prince. Nous avons besoin de force pour nous traverser, aller dans nos pays. Nous avons besoin de force, non seulement pour l'élection capable de faire, mais pour la vie économique reprendre, pour la vie sociale reprendre. Pour dire que tous les restaurants qui ont fonctionné, le soir tout fermé, tout bagaille campé, le pays est à l'arrêt. À cause de la situation sécuritaire. Sans cette force internationale, pas rien possible. Nous féliciter, nous-mêmes SDP, communauté internationale, conseil de sécurité, qui vote résolution pour force à vivre en Haïti. Nous féliciter tout pays qui était dans une grosse réunion qui était faite dans le pays Brésil, avant hier là, côté à bailler l'argent pour force à vivre. Nous avons besoin de cette force internationale. C'est force ça qui pouvait faire l'élection. Et nous avons besoin de force ça pour nous profiter de présence, pour nous construire une police solide, pour nous construire une armée solide, pour nous capables de construire le développement pays. Sans sécurité, pas grand rien possible. Alors la position du SDP est claire. Nous allons rouler nos débats, nous allons jouer en bataille, position non claire. Nous allons continuer à supporter pour le ministre Ariane, parce que nous avons un accord politique avec lui. Nous allons continuer à mettre sur table dialogue là. Et puis nous inviter vos acteurs politiques à rentrer dans le processus dialogue-là, c'est ça qui va permettre nous retirer le pays dans une situation de catastrophe politique liée là, ou élection faite pour le peuple à choisir qui est le président, député, sénateur, magistrat, Kazek. Alors, la position du SDP est claire. Je vous dis, élargissement ACT, monter conseil électoral provisoire, crédible, honnête. Montons au gouvernement d'Union nationale. Heureusement, force la pral vini dans le jour qui a venu, à bien sécurité, pour dans l'élection, pour la choisir qui est le gouvernement d'Union. C'est la position du SDP, elle est claire. Nous ne pouvons pas jouer avec dames, nous dans le gouvernement, nous dans le gouvernement, nous dans le gouvernement, nous dans le gouvernement, le soir, nous dans le pouvoir, matin, nous dans la rue, la faux opposition, tête opposition, bonda pouvoir, ou bien tête pouvoir, bonda opposition. Nous-mêmes, les SDP, nous voulons une relation de confiance avec le peuple, nous parlons de la population menti. Voilà et notre position dans cette conjoncture. Et ces positions, ça, nous croyons qu'ils sont une position politique raisonnable. Avec des pas mal force là, et que vous accompagner, vous avez un achat, vous pensez que vous avez une sécurité là, normalement. Écoutez, tout le monde est d'accord. La police n'a pas qu'à faire pour compte. Avec des pas mal force internationale là, il y a un pire amélioration. La situation sécurité pays. En pile amélioration. Tout est spécialiste pour connaître ça. Et on est capable de sécuriser le pays. Le business est capable de reprendre. Tout le monde est capable de vaquer à vaquer à l'activité. Tout le monde est capable. Au moins la vie à reprendre dans le pays. Je veux dire, la vie campée dans le pays d'Haïti. Diaspora a tant de force là. Peuple a tant de force là. Monde qui quitte le caillou, besoin de tourner la caillou, a tant de force là. Le pays est à la force. Et quel politicien qui parle de force de l'avenir, parce que il y a une raison politique. Et puis quand il y a monde qui parle de force de l'avenir, c'est des gens qui supportent gang. André Michel, ça, franchement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, parce que là, il n'y a pas de quand André Michel joue une qualité, joue une petite ça, mais André Michel, il est confortable. L'histoire l'a dit, c'est porte-parole, peuple. L'histoire l'a mis des têtes en porte-parole, peuple. Kounia André Michel a parlé de négociation, André Michel a parlé de concertation, etc. Franchement, l'important pour nous assumer responsabilité. Nous. Parce que chaque coup, chaque fois nous avons moun sa yo, modèle moun sa yo, krasèt pays sa yo, nous avons pris toute liberté, ça a été toute liberté, ça a pu camper dans figu nous, pour yo comme si pour cracher sous bataille peuple, sous prétexte que c'est une élection, mon monde doit aller prendre pouvoir, sous prétexte que pas de révolution, pas de ceci, pas de cela, sous besoin pouvoir, soit vin négocier pour aller élection. Non. Next, c'est eux même qui pas de Jovenel Moïse chance. Si on t'a accepté négocier avec Jovenel Moïse, ou pourrait être quoi négocier, t'as pas assassiné Jovenel comme ça? Si n'a pas de bon ambition politique démesurée, ou pensez que c'est complot que tu as fait pour touiller Jovenel Moïse comme ça? Non. Je ne dis pas, c'est pas André Michel qui pour avin faire moun la morale.
avin bay moun comment pou yo mener bataille politique, comment pou yo mener bataille pour changer pays. Donc m'espero ki ton ti message pou li, m'espero ki ton ti réponse pour André Michel parce que pa gen gren dans la bagay ranse la aucun vagabond encore. Nous fini par comprendre que nèg sa c'est yo vagabond. Tout le t'ap traité Jovenel de vagabond mais action vagabond d'agent c'est bon côté yo déyé. Vous comprenez? Yo te gen ti vagabond k t'ap dormi dedans, yo c'est tant yo pote koré moment pote ko présenter puis yo te éclaté vagabond d'agent nan figi nou. Mais je dis en nouvel. Nous voyons comment il a fait. Et bien, le dossier assassinat président Jovenel Moïse a gagné un gros rebondissement. Assassins, les assassins sont dans la ville. Cherchez-les, identifiez-les. Criminels, yo, zéphéris, yo, yo, toutes deux, yo, là, yo, n'a pas chuté sous l'autre, yo, n'a pas accusé l'autre, yo, n'a plongé droit sous l'autre, c'est où, c'est pas où, c'est un tel, c'est pas un tel, c'est moi qui t'ai fait, c'est pas lui qui t'ai fait, etc., etc. Depuis, nous rete, continuer à mener bataille, l'homme bo garanti. Si en Haïti, justice, Jovenel Moïse pas kajen justice, si États-Unis, justice Jovenel Moïse al bakle, eh bien, nous-mêmes, nos batailles n'a fait contre le système ça, n'a privé identifier tout criminel yo, et n'a jugé yo en conséquence. Et gros bagay pour yo konne laisse peuple qui juge yo. Laissez le peuple cap juger, pas de pitié, non? Pas de pitié pour aucun vagabond, aucun criminel, aucun zéfès. Parce que yo te gen kontan yo devant yo pour yo te bay pays a on chance. Yo te gen kontan yo devant yo pour yo te al négocier avec Jovenel. Yo te gen kontan yo devant yo pour yo te faire intérêt pays en passer avant toute bagaille. Mais non. L'argent oligarque l'ante bel devant Dieu, l'ante bel nan meyo, fè yote al touche l'argent nan meyo oligarque al participe nan complot. Et puis, jounen jodi, alè na fè révolution pou n'poste nèg sa yo pou n'gade yo nanje. Ancien DG la police, soi-disant défenseur droit moun nan société civile, oligarque corrompu, mwen nan ordonnance ki soti la yo pa dou ki oligarque ki nèg ki te dépense l'argent pou touye président Jovenel Moïse, bagay sa yo pa pale. Et bien, nou même lè nou fè révolution, fè nan chèche réponse. Faut nous a chercher réponse. Et bien compatriotes haïtiens frères sœurs, yo gros dossier qu'a parlé là. Gen Pierre Espérance qui déclarait que Léon Charles assassiné ou bien exécuté de mercenaires colombiens, deux mercenaires colombiens yo et que mercenaires colombiens ça yo Léon Charles ba l'ordre exécuté. C'est deux parmi mercenaires qui étaient rentrés dans chambre président Jovenel Moïse et dans mercenaires ça yo c'est moun qui t'est arrivé identifier Léon Charles t'est fait touiller. Mes amis causé un papi petit non? C'est de graves allégations qui fait là. Nous aime pas dire accusation. Parce que t'es Pierre Espérance que t'es Léon Charles, m'pas dit parole toute c'est la vérité non? Mais gon petit proverbe, gon petit adage qui dit les assassins se connaissent. Même j'en moun sérieux, ap kon moun sérieux pareil li, assassin criminel, ap kon assassin criminel pareil li. En tout cas, bon fè nou tande, intervention Pierre Espérance. Pierre Espérance parle ki tal di, en nou tande avec moi tout détail la bay nan dossier assassinat président Jovenel Moïse, alors que li tap répond Léon Charles. Monsieur, yon rive nan mouman kote ke, yo décide de rentre tete yo. Gen deux Colombiens, qui ont exécuté, ils ont neutralisé, ils ont maîtrisé, ils ont exécuté, et c'est Léon Charles qui baille l'autre pour exécuter. Et là, les autres Colombiens. Yo, Monsieur Espérance. Oui. On dit que c'est Léon Charles qui baille l'autre pour exécuter. Yo. Oui. L'autre, ça écrit ou bien dans le téléphone. Non, bien... c'est lui-même qui a commandé l'opération. Il a commandé l'opération, il fait exécuter, c'est lui-même qui a commandé. Parce que songez que Léon Charles Dou, il fait tant dans Pétionville, il n'est pas arrivé dans la résidence président. Il arrive sous ça. Non, mais attends, non. Et pour qui ça le fait exécuter de ça, alors que l'autre, il a arrêté. Parce que Moun Sayo, c'est Youn Namoun, selon enquête de CPJ. C'est et monde qui te fait partie groupe Delta qui te rentré dans chambre président qui exécute président. Donc il fait tuer de Mounsao. De Mounsao. Ou gagnon yo? Oui, pas gagnon avec moi là mais yo une enquête de CPJ. Une enquête de CPJ. Ça veut dire que soit il est dans premier rapport partiel de CPJ ou bien non. Kounye là.
et alors après ça, tu remets dans le début mois d'août 2021. Quand il y a là, Colombien yo, avec des Haïtiens américains, yo, yo rentre tête yo dans le commissariat Pétionville là. Le yo rentre tête yo, gen là-dedans yo, yo joine $40,000 américains sous yo, etc. Et puis Pierre, en fait, et puis les ou dit $40,000. Oui. Yo joine sous yo. Oui. OK. Alors ça c'est un Colombien, yon Colombien te joine, yo vient l'autre cobri sous l'autre mais puis go cobri te joine et sous yon Colombien te gagne $40,000 américains, yon Colombien. Kounye là, le et des Haïtiens américains, Vincent et Solage, et Léon Charles Prenyo, li rentre dans le bureau commissaire, li fait environ 1 heure et demie à faire réunion avec eux, à parler avec eux. Environ 1 heure et demie à font tête à tête avec eux. Vincent et Solage. Kounye là, le ou yve nan et DCPJ, qui commence à faire enquête li, enquête, il y a plusieurs enquêtes complot qui débouchaient sur l'assassinat de Jovenel Moïse et puis après assassinat. Très bien. Mesdames? Oui. Merci. Et le 7 juillet, Jovenel mourut dans le 6 pour le 7 juillet. Et 7 juillet, pour qu'on ait un rapport préliminaire juge de paix, et DCPJ fait qu'a commencé et saisir des dossiers. Donc, et c'est au fur et à mesure qu'on a commencé à comprendre le comportement de Léon Charles dans le dossier. Si 7 juillet est passé, il a fait appel à un juge de paix pour faire un constat. Le juge de paix est arrivé dans le commissariat de Pétionville depuis 5h35 du matin. C'est dans le début après-midi 7 juillet, Léon Charles reçoit l'autorisation pour le juge de paix aller dans la résidence de Jovenel Moïse. Parce qu'il a fait tout le temps dans le commissariat. L'autre bagaille, il y a un Colombien. Oui, mais Alphonse, tu campes sur ça. Ça n'a pas voulu dire que c'est l'électorat. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui réfugié yo et avec et Vincent et Solage yo réfugié yo Mon Galvé. La police allait monsieur arrivé dans moment côté que yo décidé rendre tête yo gain deux Colombiens que yo exécuté yo neutralisé yo maîtrisé yo exécuté yo et c'est Léon Charles qui bail l'autre pour exécuter. Kounye là, l'autre Colombien yo. Monsieur Espérance. Oui. On dit que c'est Léon Charles qui bail l'ordre pour exécuter yo. Oui. L'ordre ça écrit ou bien dans téléphone. Non, bien... c'est lui-même qui a commandé l'opération. Il a commandé l'opération, il fait exécuter, c'est lui-même qui a commandé. Parce que songez que Léon Charles Bou, il fait tant dans Pétionville, il va arriver dans la résidence président. Il arrive sous ça. Non, mais attends, non. Et pour qui ça le fait exécuter deux ça yo, alors que l'autre yo a arrêté yo? Parce que moun sa yo se youn nan moun se selon enquête de CPJ a c'est moun qui te fait partie groupe Delta qui te rentré dans chambre président qui exécute président. Donc il fait tuer de moun sa yo. De moun sa yo. Ou gen nou yo? Oui, m pa gen nou avec moi là mais yo enquête de CPJ a. Yo nan enquête de CPJ a. Ça veut dire que soit il dans premier rapport partiel de CPJ ou bien nou. Kounye la. Et alors, après ça, tu remets dans début mois d'août 2021. Quand il y a là, Colombien yo, avec des Haïtiens américains, yo, yo rentre tête yo dans le commissariat Pétionville là. Le yo rentre tête yo, gen là-dedans yo, yo joine $40,000 américains sous yo, etc. Et puis Pierre, en fait, et puis les ou dit $40,000. Oui. Yo jeune sou yo. Oui. OK. Alors ça c'est un Colombien, yon Colombien te joine. Yo vient l'autre cobri sous l'autre mais pi gros cobri te joine et sous yon Colombien te gagne $40,000 américains, yon Colombien. Kounye là, le et des Haïtiens américains Vincent et Solage et Léon Charles Prenyo, li rentre dans bureau commissaire, li fait environ 1 heure et demie à faire réunion avec eux, à parler avec eux. Environ 1 heure et demie à fond tête à tête avec eux. Venant
et DCPJ qui commence à faire enquête li. Enquête yo, gen plusieurs enquêteurs yo mobilisé, yo te environ une douzaine et chaque gen travail pa yo qui a fait peut-être yo pense yo te regroupé en groupe de 3 ou bien 4. Léon Charles prend commande et enquête là et li exige DCPJ chaque jour pour bali yon rapport sous moun ki yo arrêté ki yo ki nan meyo ki yo auditionné et sous tout ça yo gen comme relevé téléphone et nan cadre enquête ça et c'est ça qui pral fait que yon nan cerveau et crime nan m'a dit yon la dan yo John Joel Joseph qui immédiatement après assassinat t'es allé Cité Soleil dans base Ti Gabriel et pour raison on l'autre liquider et base et Ti Gabriel Cité Soleil l'aller en pleine l'habiter en pleine qui côté non l'aller non caille en pleine là l'aller non caille la pleine il était moi pas contre qui est non li on caille qu'il était on caille pas contre qui est son caille m'a dit on caille qu'il était la police judiciaire enquêté yo yo joine qui côté monsieur rete la police prend disposition pour faire filature yon après-midi autour de 6 heures pour yo aller arrêter monsieur et comme étant donné c'est Léon Charles qui prend commande enquête là et l'est informé de ça il fait et John Joel Joseph quitter caille là et c'est ça qui fait ou ouais que John Joel Joseph yo pas arrêté en Haïti c'est juste Jamaïque l'aller. Donc c'est lui qui facilite non pas les Jamaïcains, c'est lui qui facilite qui était là qui fait que la police judiciaire et la police pas arrêté. Et Sam Abdullah c'est auprès de enquête là. Des enquêteurs. Et gagne un appareil et Joseph Jout acheté pour et la police là pour des CPJ. Mais appareil ça c'est pour aider en pile dans question criminalité. Et son appareil qui a détecté communication monde qui a même et capté et échange monde et communication et qui capable et identifier monde tout dans des zones côté yé mais c'est monde et mon capable d'ou soit qui yo suspect qui dans crime et dans ça pas ça dans kidnapping etc. Et appareil ça t'es commandé sous Joseph Jout l'irrivé et plusieurs mois avant assassinat et enquêteur de CPJ yo, et de CPJ mandé appareil là qui pour permettre faciliter enquête là Léon Charles Kembe appareil là li pas jamais remettre li bail de CPJ pour capable bouiller pichio et c'est l'elle qui quitté la police en novembre 2021. C'est après un pile et demande un pile suivi qui fait que il réussit remettre appareil là dans mi-temps et année 2022. Et son un appareil qui t'a facilité et enquêté pour être capable et suivre une série de conversations et beaucoup plus rapide que les aller bon côté compagnie téléphonique yo, qui prend un paquet de temps pour le bail et information. Donc, selon vous-même, appareil ça là toujours pour nous là. Oui, il est maintenant en 2022, il est là. Appareil ça là, travaille dans le CPJ. Oui. Ou sûr de sortir. Appareil là. Ou, non, moi je suis sûr. Oui, sûr. Ok. Oui, sûr, à 100%. Oui, okay, sûr. Très bien. Mais son appareil qui coûte un bon petit cob, qui commande sous. Et que monsieur de confisquer pendant longtemps. Il confisque, il prend appareil là depuis. Et l'El Jouini, parce qu'il connaît ça, le préfet, il connaît un complot contre Jovenel Moïse, qui débouchait sur qui a assassinat. Et immédiatement après l'assassinat, ça a été fait. S'il te voulait, l'immédiat fait sous crime, non, c'est de mettre appareil là, by des CPJ qui pour permettre que. Mais j'en m'en parler là, c'est comme si c'était seulement Léon Charles qui est impliqué dans l'assassinat. Ah non, sauf les nous parler, et Wendel. N'a pas parlé. Nous avons fait 3 émissions. Valovle, m'a dit tout ça, m'a connaît des enquêtes là, et m'a dit tout ça, m'a connaît. Cependant, il y a des bagages qui ne pas connaît, il n'y a pas d'enquête là, parce que souvent des mobiles criminels ou intellectuels, criminels ne connaît pas.
parce que nous pas une partie financement c'est et c'est plus gros faiblesse qui gagne dans dossier ça. OK. On va parler d'ordonnance là. Oui, alors me dit enquête là qui qui débouche sur ordonnance. Kounye là. Parce que faut prendre pause. Oui, Kounye là. Pour y arriver assassiner Jovenel Moïse. La police judiciaire conseille des bases de données, ou c'est des institutions clés dans l'État qui est des CPJ connectés avec bases de données, ça y qui est sur ces bases de données? Immigration et ONI, DGI avec OAVCT. Vous comprenez pour qui ça tout? OAVCT, c'est pour motocyclette avec machine. Et ONI, c'est pour carte d'identification. Et immigration, c'est pour les gens qui ont fait va-et-vient et qui ont payé. Si par exemple, un bon exemple qui est simple. Et bon policier qui dit dans le DCPJ, qui dit dans l'enquête là, et l'été là, quand Jovenel Moïse, madame n'était rentrée joie, l'été obligé de quitter Kaila pour la fontaine avec madame ni, l'elle retourne, l'y joue, l'y attaque Kaila. Son bail qui simple, comme si avec base de données, on a vérifié si, et depuis au bail non moun ça, est-ce que moun ça a été rentré joie vrai? Ouais. Donc, ils ont connecté toute base de données, déconnecté toute base de données ça. Maintenant, qui est-ce qui pour faire reconnecter? M'a dit Léon Charles, non, qui te déconnecté. M'a dit, yo déconnecté. Qui est-ce qui pour faire? Qui est-ce qui pour faire demande là? C'est Léon Charles. C'est lui-même qui fait partie CSPN. C'est lui-même. C'est pas directeur de CPJA, pas fait partie CSPN. CSPN, c'est conseil CPJA pour voir et police nationale là. Eh bien, il n'y a pas jamais fait démarche ça. Et base de données ça, pas jamais reconnecté jusqu'à ce que la police remette premier rapport. Partiel li. Et qui donc, ça n'a pas fait. Dernier bagage, et on autre bagage, m'a pas ajouté. Ou dit dernier, Non, non, on dernier m'a dit sur rapport partiel là. La police judiciaire fait rapport partiel là, la police judiciaire enquête yo, yo te a deux pas pour rejoindre mobile criminel avec auteur intellectuel criminel. Ça veut dire yo t'a pralé bon côté financement. Parce qu'on est enquête là chaud, yo t'a pralé bon côté financement. Léon Charles by Lord à DCPJ, pas entrer sous PISA. Li by Lord à DCPJ, pas entrer sous PISA et enquêter pas carré. Parce que pour enquêter. Et m'a proposé la même question encore, Pierre Espérance. Tout Lord ça, Léon Charles by yo, c'est toujours en zami. En zami taille. Non, pas en zami taille. Ah, ben, vous écrit, est-ce que vous écrit? Non, l'autre verbal, c'est. Non, parce que. L'aime nous en zami. Si par exemple, j'ai un problème là, j'ai une menace sur moi et puis je voulais dénoncer, j'ai deux gens qui ont fait ça. Si je vois le bail Pierre Espérance, que je connais, que je bien, je me dis, Pierre, je n'ai pas tiré attention sur tel bagaille et je voulais mettre au courant. Je suis dans le téléphone, comme je me connais bien. Mais pour un bagage aussi grave, on a parlé de assassinat un président, c'est un acte de légèreté quand même, bon côté, et des CPJ, et directeur général, là, pour que tu apprennes l'ordre. Non, attends. Pour que tu recevoir l'ordre verbal. Non, ou pas trouver que le bizarre, que. Parce que là, on ne va pas dire que c'est écrit. Non, non. Écoute, pour qui ça a retrouvé anormal alors que c'est CPJ et IHP qui baille l'ordre là? Non, là, mais l'ordre n'a pas obligé écrit. Bon, écoute, celle-là, je suis capable de dire. Li baili, yo exécuté à la lettre et jusqu'au moment qu'on a parlé là, nous pas connait qui est-ce qui paye pour crime. OK, très bien. Mes amis, nous tendez causé yo en pile dans la République et causé yo en pile et Léon Charles et Pierre Espérance, ba yo spaghetti nan men monsieur yo. On dirait chaque gen parole pa yo, chaque gen version pa yo et nan dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et moi-même qui prends responsabilité pour me dire les assassins, il y a pile assassin encore qui en liberté, vrai assassin yo, auteur intellectuel, commanditaire, moun qui finance côté yo. Pour qui ça même non ordonnance ça qui sorti qui public là, pour qui ça nous pas ouais non yo. Pour qui ça nous pas ouais non moun qui gen l'argent réellement qui te gon dans contre Jovenel Moïse, et puis comment pour nous faire tout. Et Pierre Espérance dans le départ, moi-même, pour Jean-Pierre Espérance, dans le rapport NDDH sorti, dans plusieurs sorties Pierre Espérance fait dans la radio, dans Nicolas la presse, pour moi, c'est un coup Pierre Espérance, c'était chita dans la chambre qu'a président, là, où t'as pas assassiné président. C'est deux options. Soit elle était là,
ou bien Pierre Espérance qui t'a gagné et vidéo surveillance t'a suivi bagarre c'est tant que son film si on attend Pierre Espérance c'est tant que son film épisode 1 en série on regarder épisode 1 épisode 2 épisode 3 non et pour détail pour information Pierre Espérance dit gain la Pierre Espérance qui t'a fait tête passer pour juge et puis lire l'ordonnance dans dossier assassinat président faut nous pas traiter dossier assassinat président comme ça. Pierre Espérance bon ensemble d'éléments de formation là. Pierre Espérance réellement pour niveau Pierre Espérance a bail des éléments de formation. Moi même à un certain moment là m'a li rapport et ça qui sorti comme ordonnance me dit moi wow. Est-ce que ordonnance ça pas écoute plume Pierre Espérance ça dans parce que bagaille un petit genre flou. Moi même si gon bagaille m'ka di nou que te Pierre Espérance, que te Léon Charles, que te ancien premier ministre, ancien ministre intérieur, ancien ministre justice etc. Chaque moun gen part de responsabilité yo. Pierre Espérance pendant tout temps fait pendant tout temps Jovenel te là en tant que yon membre dans société civile là, en tant que moun qui fait partie de l'organisation t'a défendre droit moun. Le droit président Jovenel Moïse te lésé en tant que président de la République. Juge d'instruction, sorti, mandat la guerre des présidents, pas dit quick. Et comme prétexte, il dit c'est en 2022, il apprend après assassinat président, il apprend te gon mandat des présidents. Et mandat ça, qui te mette des présidents, c'est Mario Beauvoir, avocat et NDDH, qui te instrumentalise la justice dans façon pareille pour te mette mandat. Côté responsabilité pour. Côté responsabilité pour. Si la justice pas capable Jovenel justice, eh bien pour la nature, pour la force des choses, dégagez-le pour le Jovenel justice en bas criminel à tout faire des faits ça. Parce que Jean Bagaille l'a pralé là, eh, ben elle a difficile. Bagaille extrêmement et compliqué. Et c'est là n'a mettre en bout dans l'émission pour aujourd'hui hein. C'est un grand plaisir pour m'être avec vous, pour nous te porter information ça pour nous te font petit bat bouche ensemble. Rendez-vous à l'casser dans une autre vidéo de formation et m'a invité à abonner, partager vidéo, partager un maximum de commentaires, un maximum de partage pour aider travail là avancer. Rendez-vous à l'casser dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, ou et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, et l'ennemi dit mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Et bien, sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel Paul là, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la vallée pays, nous prenons le pays.